Alors, bonjour, voici un petit tuto sur l'application de réalité augmentée MAKR. Alors, on débute en cliquant sur plus pour créer sa propre scène. On clique sur start pour commencer. On choisit une surface plane, donc on dirige l'appareil vers une surface plane. Il y a un petit quadrillé qui va apparaître. Alors, on clique dessus quand on est satisfait de cette surface plane où va apparaître notre réalité. Ensuite de ça, on va aller ajouter des éléments. Donc, on fait New. On va aller chercher des images dans le fichier. Et on dit sélectionner plus de photos. Donc, on va aller chercher la photo qui nous intéresse. Et des fois, elle n'apparaît pas aussi vite. On peut juste revenir dans Fichier et elle vient d'apparaître. Alors, quand on l'a choisie, on peut tout simplement grossir ou inverser, etc. Donc, quand ça nous satisfait, on fait OK. Et on peut enlever le petit quadrillé qui est juste un aperçu. Et on peut projeter ou envelopper des formes tridimensionnelles de notre photo. Donc, on peut l'essayer sur une sphère, sur un cylindre, sur un cube et sur un cône. Donc, disons que je choisis le cône, je dis OK et je reviens et je peux maintenant créer mon image. Il faut que je sois sur ma surface. Et je peux décider que mon cône est gros, petit. Je peux le déplacer. Et quand il est à l'endroit que je désire, je dis place. Et je peux aller me chercher comme ça des éléments que j'ai déjà créés au préalable de la même façon. Et placer mes éléments, par exemple ici des motifs. Placer. Donc quand mon univers de réalité augmentée est prêt. Je sors d'ici et je peux enregistrer ou photographier mon univers. Donc, je vais l'enregistrer, je clique sur vidéo et je peux me promener dans mon univers de réalité augmentée qui s'ajoute au plancher que j'ai sélectionné. Alors, là, la bande vidéo, on la sauve. On peut lui donner un titre. Et on va sauvegarder la scène. Donc, elle est conservée dans mes scènes et automatiquement, la vidéo a été sauvegardée dans ma pellicule photo.